Tout est prêt pour ton départ, Prince Noctis. Merci, Votre Majesté. Allez, on est parti. Pas le choix, va falloir continuer à pousser la voiture. Allez, mène-toi le train. Aïe, ça va, j'ai compris. Oh. Dites, c'est pas la voiture qui doit nous pousser? En théorie, oui. Et ça serait bien. Félicitations pour vos noces. C'est encore un peu tôt pour nous féliciter. Régis vous a pas dit de faire attention à sa voiture. Il compte sur vous pour éliminer les monstres de la région. Eh ben, on va lui montrer de quoi on est capable. Ouais, on a réussi à allumer le feu. Ça y est, la voiture est prête. Vous comptez partir où maintenant? Vers la baie de Galdina, pour prendre le bateau et aller à Alticia. Et notre prince pourra se marier. Oh, vous pourriez me rendre un service? J'ai une livraison normalement à faire sur la route de Galdina. Ouais, y'a pas de soucis, mets-nous ça dans le coffre et puis on décolle. Allez, on peut enfin repartir. C'était pas trop tôt. Le seul truc cool dans cette histoire, c'était le camping. Allez, direction le motel. Bonjour monsieur. Tenez, c'est une livraison de la part de Cindy. Bonjour, vous avez fait tout ce chemin pour moi. Merci beaucoup. Oh, Umbra, content de te voir. Tu as quelque chose pour Noct? Oh, c'est un bon toutou ça. Ce chien a vraiment un flair incroyable. Oui, c'est l'un des meilleurs messagers du pays. Comment tu fais pour toujours nous retrouver? Attends, bouge pas. Dis Noct, quand tu rentreras au Lucis, est-ce que tu pourras emporter ce carnet dans tes bagages? D'accord. Et aussi, si ça ne t'ennuie pas, j'aimerais que tu me le renvoies après avoir collé quelque chose dedans. Et je ferai pareil dès que je le recevrai. D'accord, mais comment on va faire pour se le renvoyer? Grâce à Umbra. J'ai une idée, on y accrochera à son cou. Oui, on fera ça. Umbra, viens, on va jouer dehors. L'heure est venue pour moi de quitter Ténébrail. On va enfin pouvoir se revoir. Moi, je suis partie d'un souvenir. Allez, c'est bon, fais attention à toi. Au fait, Noct, tu nous l'as jamais montré ce fameux bouquin. Parce que ça ne te regarde pas. Bah quoi, c'est un secret? Il nous le dira pas. Bon, allez, assez discuté. Maintenant que notre mission est accomplie, en route pour Galdina. Allumons la radio. Damina Freya de Ténébrae a officiellement commenté la signature du traité de paix. C'est avec un grand soulagement que j'ai appris que la menace de guerre s'éloignait et qu'un accord avait été trouvé. Je suis consciente que ce changement peut être une source d'inquiétude. Par ailleurs, je tiens à vous rassurer. Ce mariage n'affectera nullement ma vocation d'oracle. Je poursuivrai mes visites dans vos villes et vos villages comme je l'ai toujours fait. Je continuerai à veiller sur chacun d'entre vous. Il semble que Dame Luna Freya quitterait prochainement Ténébrae pour se rendre à sa cérémonie de mariage. Durant cette période, elle interrompra temporairement ses fonctions d'oracle. Donc le mariage est dans le traité. Bien sûr, c'est juste une simple formalité. Alors c'est une sorte de mariage arrangé finalement. En gros, oui. Mais bon, Noct et Luna Freya semblent apprécier cette perspective. Regardez, on voit la mer! On est quasiment arrivé au quai de Galdina. Ça donne envie de se baigner. Après le mariage, Dame Luna Freya et toi, vous retournerez à Insomnia? Je sais pas, c'est encore un peu tôt pour le dire. Je vois. Qui aurait imaginé que t'allais te marier, n'empêche. Ça fait quel effet? Bah, ça me fait plaisir. Bienvenue à Galdina! Nous n'avons pas de chance. Hein? Vous voulez prendre le bateau, pas vrai? Ouais, pourquoi? Eh bien, hélas, il n'y en a pas. T'es sûr de ça? Libre à vous d'attendre, si vous voulez. Personnellement, j'ai mieux à faire. Oh, mais c'est peut-être à cause du traité de paix. Bon, t'es qui, toi, au juste? Je ne suis qu'un humble voyageur. Ouais, laissez ça, dégage. Vous y croyez, vous, à cette histoire de port fermé? Je trouve ça étrange. Mais ça a l'air d'être vrai. Le mieux, c'est qu'on aille voir de nous-mêmes. Allons-y. Ah, c'est vraiment la poisse. Pas de bateau à l'horizon. Attendez,
Qu'est-ce qu'il y a? L'Empire a donné des ordres très clairs. Aucun navire ne doit quitter Alticia. Malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Arrivé à la bourre à son mariage, la honte. Au fait, moi c'est Dino. En fait, je suis journaliste. Une info comme quoi le prince joue au chasseur, c'est un scoop. Mais vous avez de la chance, je suis un reporter très intègre. Vous resterez incognito en échange d'une faveur. Oh, qu'est-ce que tu veux? Oh, tu acceptes? Génial, montre-moi ta carte. Et voilà, ramenez-moi des pierres précieuses. Je vous ai indiqué l'endroit à vous chercher. Et ensuite, j'en ferai des gemmes et des bijoux. Si vous faites ça pour moi, je m'arrangerai pour vous trouver un bateau. Par contre, si vous refusez, la tronche du prince sera à la une des journaux. Sid avait raison, en disant que tu faisais pas très prince. Ah oui, il t'a même pris pour son larvin. En même temps, loin d'Insomnia, le sang royal n'a pas grande valeur. Eh bien moi, je me sens bien plus libre comme ça. D'après l'emplacement que Dino a noté sur la carte, on n'est pas loin du gisement de pierres précieuses. Allons-y alors. On est obligé de s'en approcher. Chut, tais-toi, tu vas le réveiller. Gladio, chut! Allez, on y va. Tu bouges pas, hein? Oh, trop facile. Eh ben, c'était moins une. Parle pour toi, c'était facile. Dites, on peut se dépêcher. C'est pas le meilleur endroit pour discuter, là. J'aimerais bien rentrer à la maison. Prompto a raison. Allez, on prend les pierres, on se casse de là. C'est bon, on peut partir. Et voilà comme prévu les pierres précieuses. Merci. De mon côté, j'ai passé quelques coups de fil pour vous trouver un bateau. Vous pourrez partir dès demain. Je ne pensais pas que Dino nous trouverait un bateau. Moi non plus. Bon, allons dormir à l'hôtel pour cette nuit. Maintenant ! Espèce de traître. Salut Noctis. Salut. Il est où Ignis? Il ne devrait pas tarder à rentrer. Y a un problème Ignis? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tiens, ça a la une de tous les journaux. Quoi donc? Insomnia s'est effondré. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je vais t'expliquer. Calme-toi Noct. Me calmer? Je peux pas être plus calme que ça. Bon, voilà ce qui se passe. Le Niflheim nous a menti et a attaqué la capitale. La nuit dernière, la cérémonie du traité a viré au chaos. Quand la fumée des explosions s'est enfin dissipée, on a retrouvé le roi mort. Non, c'est pas possible! Pourtant, les nouvelles de l'invasion sont unanimes. Et les journaux ne peuvent pas tous se tromper. Non mais je rêve ou quoi? Allons vérifier nous-mêmes. Je ne peux pas y croire. Il a raison, on retourne à Insomnia. C'est une mauvaise idée, ça pourrait être dangereux. Sauf que ça peut être dangereux partout, même ici. On y va, et on discute pas.